Bonsoir, bonjour, Mathilena. Aujourd'hui, nous sommes dans une vidéo dégustation avec David Lafarge Pokémon. Non, du coup, bonsoir, bonjour, Mathilena. Nous sommes dans cette vidéo de Mario Sunshine. Du coup, je continue le 100% en faisant une vraie dégustation. Aujourd'hui, on va manger des bananes séchées. Ça vous intéresse? C'est super bon. Voilà. Ouais, donc aujourd'hui, on est donc tout simplement dans cette vidéo de recherche des pièces bleues où je m'embête pas sur le moment, là je montre juste les endroits. Alors il y a pas mal de, du coup pour la plage directement, il y a pas mal de trucs qui sont planqués dans la plage. Ça je l'avais, à l'époque je les avais jamais trouvés il me semble, si je dis pas de bêtises. Je me souviens juste que, excusez-moi, je suis encore mort comme dans les dernières vidéos. Bon, on n'est plus le même jour, mais enfin dans la semaine, on est le même, on est encore une fois un vendredi soir. Sauf dans les quelques secondes qui va suivre, parce qu'il sera minuit. Mais on est tous, c'est encore une fois un vendredi soir après être crevé. Mais bon, voilà, voilà, je crève mes poumons un vendredi, tout simplement, voilà. Donc, on pouvait rentrer dans le parc Pina. Je sais même plus quel soleil j'ai mis en fait. D'ailleurs, j'essaie d'augmenter un petit peu la qualité pour moi, comme ça je puisse un petit peu voir pour un petit peu mieux commenter ce que je vois quand même, plutôt que faire des vidéos dégustation comme. Certains Lafarge. Ah purée. Je mais ma voix est actuellement morte hein. Ah purée, on se souviendra de ce niveau comme étant le niveau le plus buggé du let's play hein, je crois. Attendez, laissez-moi réfléchir. Ouais, je crois que le parc Pina est vraiment buggé. Ça... Alors j'entends le son qui est buggé, alors que la vidéo en fait elle est plus rapide que le son de base. Pour dire. En plus, il me semble que c'est vraiment, vraiment très, très avance rapide. On voit au Yoshi qui bouge dans tous les sens. Mais il me semble pas que je me suis attardé très longtemps, enfin, énormément sur celui-là, parce que, enfin, il me semble que j'ai essayé de faire le plus rapidement possible, parce que je sais que ce niveau est chiant, voilà. Ce niveau est pénible, tout simplement. Pourquoi je regardais la pièce bleue? Je sais pas, quand j'ai dû jouer, j'étais en mode. Ah, c'était sûrement pour. Peut-être pour montrer la. Là, on va pas trop le voir parce que je crois. Alors, il me semble que j'ai eu le. Voilà, j'ai touché l'oiseau bleu avec l'eau, mais je ne l'avais pas vu. Enfin, j'avais essayé de le suivre, mais j'avais tiré dans le vide un petit peu, mais je l'avais pas eu. Oula, oula. Qu'est-ce que j'avais. Ah oui, la méthode pro gamer, parce que vous savez, c'est pénible, alors je vous conseille. Si vous maniez bien le jeu, je vous conseille de faire cette technique hein, plutôt que de remonter derrière, parce que pour être franc, c'est pénible de refaire tout un chemin que t'as déjà essayé de faire avec une étoile alors que tu peux. Voilà, je veux dire, monter cette roue, cette grande roue, c'est pénible. C'est vraiment pénible. J'aime pas. Je crois qu'il me semble qu'en plus, je crois que j'avais déjà skip en plus le. Le fait d'y aller directement, je crois qu'on peut passer, je suis pas sûr. Je suis plus sûr si on peut passer sans que la roue soit rapide. Je ne sais absolument plus du tout. Là j'étais en train de vérifier une question que je m'étais posée dans le let's play. Est-ce qu'on peut rentrer dans... Ok, j'ai touché. Il y avait un oiseau bleu hein, pour dire, hein, c'est tout. Je me posais la question si on pouvait rentrer dans les petites maisonnettes de la grande roue. Et au final, la réponse c'est non, on peut pas rentrer dedans quoi. Il y a une hitbox pardon qui nous empêche de rentrer dedans quoi. Bon alors j'aimerais juste voir pas que la vidéo au final va plus vite que ce que je ne le pense. What? Ah oui d'accord, on est déjà presque à la moitié de la vidéo. D'accord. Bon après bon. Je parle énormément surtout dans le feeling, c'est j'ai l'impression déjà de... que je parle plus qu'en vidéo normale. Et bon, c'est normal, il n'y a pas la concentration. Je suis juste devant un écran à parler dans le vide comme ça. Et essayer d'improviser tout en essayant de faire. Regardez, on voit des pièces bleues qui passent comme ça. Voilà, vous avez vu. Mais comment dire. Ouais, alors d'un autre côté, j'ai l'impression que c'est plus simple de commenter comme ça. Mais d'un autre côté, c'est étrange parce que. Très honnêtement, même s'il y a des moments de concentration, je préfère commenter largement en étant en jouant directement. Parce que c'est plus sympa.
Sauf si c'est un jeu Die and Retry qui t'oblige à recommencer 10 000 fois le jeu. Est-ce que j'ai eu? Oh, c'est joli. Ah! J'avais oublié cette survie. Bon, alors, vous vous débrouillerez, hein. Il faut pas utiliser mon let's play pour essayer de réussir. Alors, il me semble que pour cette pièce bleue, je crois que j'étais parti du niveau, pour la petite anecdote. Pour revenir dans le niveau, en fait. Du coup, on va aller dans laquelle étoile on va... Il me semble, oui, avec le canon, là. Il me semble que c'est les dernières qui restent. Parce qu'on peut y aller sur tous les niveaux, sauf celui-là, en fait. Ah, mais l'idiot. Du coup, en fait, pour les pièces bleues qui restent de ce niveau, si je dis pas de bêtises, le seul but, c'est de casser toutes les caisses avec les trucs qui bougent, tout simplement. Je pense que... je sais pas, il y a peut-être des personnes qui le savent pas directement. Ça m'étonnerait, je suppose. C'est pas difficile à voir, je veux dire. Il y a vraiment tout ça. Il y en a pas une qui manque. Je suis en train d'essayer de me rappeler du montage là que j'ai fait. Ah oui, effectivement. En plus, en passant à la transition, j'en ai profité pour faire un coup de boule à la fleur. Non, soleil, tiens, prends ces lunettes de soleil. Voilà. Ah oui, j'avais découvert un petit bug de collision à ce moment-là. Je suppose que c'est un bon moment pour faire une transition sur cette chose horrible qu'on vient de voir. Purée. Mais il me semble pas que ce niveau là il était compliqué, il me semble. Je regarde juste. Ah ouais, non, quand même. Il y a énormément de moments sans coupure. Alors du coup, il devait y avoir énormément de pièces bleues. Excusez-moi, je prends juste un peu de raisin sec. Hein. De toute façon, ça dérangerait combien de personnes? Il y a 3 personnes qui regardent mes vidéos. Et puis, de toute façon, c'est plus de la détente, hein, de toute façon. Mais comment dire, je pense que... Ok, j'ai... Le principal problème, je me rends compte, de faire des vidéos en commentant par-dessus, c'est que en fait, sans m'en rendre compte, je vais vite partir dans le... Dans le moment où je râle, quoi, je veux dire. Comment dire, dans le fait de râler à propos du... mais il fait des vidéos, voilà. En gros, des coups de gueule, comme on dit, tout simplement. Je vois pas d'autres mots comment expliquer ça, mais voilà. Et du coup, c'est ça le problème, parce que souvent, sur ce type de vidéos, du coup, ben, je fais ça, j'ai l'impression. Du coup, je râle. Bah, en fait, j'allais commencer à dire un truc, mais je me suis rappelé que je l'ai déjà dit en partie. Je sais qu'il y a d'autres trucs que je pourrais dire, mais je vais pas embêter à faire ça de toute façon. Bah oui. Par contre, il y a autre chose que je dirais, c'est... Mon principal problème, c'est que... Je pense que j'ai déjà dit, mais j'ai pas mal de let's play déjà lancés. Mais en fait, j'ai envie de jouer à d'autres jeux, alors du coup, je lance d'autres let's play que je vais probablement pas terminer, en fait. Par exemple, il y a quoi comme jeu que j'ai pas terminé? Il y avait... Bon, après... Il y en avait un, c'était Astérix Obélix XXL. Bon, celui-là, il y a le truc du... j'ai plus envie de faire la version sur PC que j'ai envie de le faire sur PlayStation. Et j'ai pas encore les câbles, donc ça, c'est compréhensible. Mais Pikmin 2, en fait, pour dire, Pikmin 2, le let's play, j'ai commencé... a priori, quand cette vidéo sortira, le let's play sera toujours pas sorti.
Mais j'ai commencé dès la fin, dès que j'avais fini Pikmin 1. Et j'avais fini vers... avril 2017, je crois. J'avais fini en même temps que le Let's Play de Luigi Mansion, à peu près. C'était juste les deux qui n'étaient pas sortis au même moment, directement. Du coup... Mais les fourbes, cette pièce bleue. D'accord. Du coup, mais... j'ai beau avoir un Avermedia... Bah en fait, il y a quand même plein de jeux que j'ai envie de faire, mais que d'un autre côté, il faut que je termine d'abord celui-là, faut que je commence faut que je termine celui-là et celui-là. Par exemple, il y a un jeu, je crois que c'est Paper Mario Color Splash que j'aimerais vraiment commencer. Mais d'un autre côté, j'ai d'autres Let's Play sur Wii U que j'ai commencé mais que j'ai pas fini. Donc du coup, ça me perturbe énormément. Il faudrait que je les sorte déjà avant de terminer. Mais du coup, il y a tellement de jeux. En fait, le truc, c'est que je suis vraiment au début de YouTube directement. Enfin, je dirais, alors que pourtant, je suis sur YouTube depuis 2012 directement. J'ai commencé Let's Play depuis 2014. Il y a des Let's Play que j'aimerais recommencer, comme Banjo et Kazooie, pour qu'ils soient d'une meilleure qualité. Il y a plein de trucs qui est généralement, en fait, je suis bloqué parce que. J'ai tellement de choses à faire et tellement peu de temps d'un autre côté. J'ai tellement peu de temps pour tourner les vidéos maintenant. Généralement j'ai que le week-end. Et généralement je tourne si tout le monde dort chez moi. Alors du coup je me fais avoir, hein, forcément. Du coup il y a des moments, parce que c'est vraiment pour me détendre les vidéos du coup. Et généralement Mais qu'est-ce que je disais à reparler de Google, de coup de gueule tout simplement. Ah oui, cette pièce elle est fourbe. Je l'explique juste, faut juste nettoyer la commode. Voilà. Du coup, il y a tellement de jeux que j'aimerais faire. Et d'un autre côté, ou bien j'ai enfin le boîtier de capture, mais j'ai pas le jeu. Donc c'est normal, hein, directement. Et ou bien c'est le truc du. Mon PC il est pas assez puissant. Par exemple, il y a Yooka-Laylee que je voulais faire, mais que j'ai pas pu. Du coup, il y a qu'une vidéo extra de ce Let's Play. Il y a quoi d'autre? Il y a aussi. Excusez-moi de mon anglais, mon accent anglais est très mauvais, mais je crois que c'est A-Hat in Time. Je crois que c'est bon. J'espère que c'est, je l'ai dit correctement. Et en fait, c'est un jeu un peu comme Mario 64, Banjo-Kazooie, tout ça. Et ça faisait longtemps qu'il m'intéressait. Et dès que j'ai voulu voir pour me prendre le jeu, j'ai vu, il faut 4 Go de RAM minimum, un peu comme pour Yooka-Laylee. Alors du coup, étant donné que Yooka-Laylee, j'arrivais même pas à lancer la cinématique du début, d'introduction du jeu, je me suis dit, tant pis, hein, au pire, peut-être qu'un jour sur Switch, hein, peut-être, je sais pas. C'est vrai que le jeu est toujours pas sorti sur Switch à l'heure actuelle. Alors qu'il est sorti au début de l'année, il me semble. Non, il est pas sorti au début de l'année, il est sorti... Yooka-Laylee, il est sorti en été, il me semble. Ah ouais, cette pièce bleue, c'était la fourberie, elle voulait pas venir, celle-là. purée. Ah, mais en fait, on arrive à la fin de la vidéo. Bon. Je suppose que c'est ici, du coup, qu'on va se laisser. Alors, du coup, moi, je vous dis bye tout le monde. Et surtout, portez-vous bien, mes petits humains.